6 remèdes de maison contre l'infection urinaire. Si vous avez tendance à souffrir d'infection, la consommation fréquente d'eau est un remède des plus simples et des plus efficaces. En buvant beaucoup, nous urinons plus, ce qui nous permet d'éliminer plus de bactéries. Chaque année, de nombreuses personnes vont voir leur médecin pour soigner l'infection urinaire qui les fait souffrir. D'ailleurs, c'est le deuxième motif de consultation médicale. Les hommes peuvent également souffrir d'infection urinaire, mais ce sont généralement les femmes qui sont le plus touchées. Chaque année, c'est plus de 8 millions de femmes qui consultent leur médecin pour traiter cette infection. Pire encore, 20 de ces femmes souffriront à nouveau de cette maladie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des remèdes maison pour soigner l'infection urinaire. Nous allons vous en présenter 6 dans cet article. Le bicarbonate de soude. Les infections urinaires qui durent plus de 2 jours ont besoin d'une intervention médicale. Attention, l'infection urinaire non traitée peut infecter les reins. Elle se transforme alors en un problème bien plus grave. Pour aider à prévenir une infection des voies urinaires ou pour traiter le problème dès son apparition, nous vous conseillons d'ajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau. En effet, cela peut vous aider à atténuer l'infection. Le bicarbonate neutralise l'acidité dans l'urine et accélère la récupération. Les myrtilles et les canneberges appartiennent à la même famille de plantes, et elles semblent avoir les mêmes propriétés antibactériennes. D'après une étude, le jus de myrtille empêche les infections urinaires. D'ailleurs, manger ces fruits entiers permet d'obtenir les mêmes bienfaits. Le jus de canneberge. Plusieurs études ont démontré que le jus de canneberge peut aider à prévenir les infections urinaires. Apparemment, le jus de canneberge évite la présence des bactéries responsables de l'infection. Il contient aussi un antibiotique très doux. Boire environ 120 ml de jus de canneberge par jour peut vous aider à garder une vessie saine. Mais si vous avez tendance à souffrir très souvent d'infections urinaires, ou si vous en souffrez actuellement, essayez de boire au moins 2 à 4 verres de jus de canneberge par jour. L'ananas. La broméline est une enzyme présente dans l'ananas. Une étude a été réalisée sur des personnes souffrant d'une infection urinaire, elles ont reçu de la broméline en plus de leurs antibiotiques naturels. Ces personnes ont ainsi réussi à se débarrasser de leur infection. L'ananas a d'ailleurs très bon goût. De plus, comme vous pouvez le voir, il peut vous aider à vous débarrasser de votre infection. Lorsque leurs patients souffrent d'infections urinaires récurrentes, certains médecins prescrivent au moins 5 g ou plus de vitamine C. Cette dernière permet en effet de garder une vessie en bonne santé grâce à l'acidification de l'urine. Elle permet principalement d'éviter l'introduction de bactéries potentiellement nocives. De l'eau contre l'infection urinaire. Si vous avez tendance à souffrir d'infections urinaires, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, environ 8 verres par jour. Vous devez uriner au moins toutes les 4 à 5 heures. Si vous souffrez actuellement d'une infection, buvez de l'eau pour la combattre. Buvez environ 240 ml d'eau toutes les heures, car cela vous aidera à éliminer les bactéries.